ça c'est l'année la plus magnifique. Hein. Pour moi, c'était une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde pour nous. C'est l'exploit, c'est la cerise sur le gâteau. La joie d'être Martigao. Magnifique. On est en mai 93, je crois que vous recevez Créteil. Alors, ouais, alors là, le stade est plein, ce qui était quand même pas une surprise, parce qu'avec l'année qu'on avait faite, c'était normal. Et là, tout Martigues était là pour cette occasion. On a gagné en plus, donc on était sûr à 100% de monter en première division. Le match a commencé, il y a eu un super centre de petit Chavrondier qui avait un super pied gauche à l'entrée de la surface en retrait. Et j'avais repris en demi-volée pied gauche, je l'avais mis côté opposé. C'était la folie dans le stade, je n'oublierai jamais ce moment. Comme lors de mon second but sur un coup franc excentré à peu près à la ligne médiale d'Henri Canet, le Gaulois. Il avait mis un ballon rentrant en entrée de surface et le joueur devant moi était lobé. J'avais mis une belle tête qui était allée se ficher dans la lucarne. Voilà, par la suite, nous avions encaissé un but et toute la seconde mi-temps a été très crispante pour nous. Bon, là, nous, sur le banc, on est pas tranquille. Mais les joueurs... Il y a la confiance, il y a la confiance, on sent que... Et on va jusqu'au bout, et on se retrouve en première division. Honnêtement, moi je m'en souviens, hein, parce que même quand j'en parle aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que moi j'ai ressenti. Parce que c'est, voilà, c'est le cœur, et même rien que d'en parler, c'est quelque chose qui m'a ému. Et c'était extraordinaire d'avoir une tribune pleine à craquer, c'était magnifique. Et puis cet enthousiasme, et cet enthousiasme aussi sur le terrain avec une équipe, je me souviens d'Henri Canet en particulier, hein, le capitaine je crois de l'époque. Hein. C'était énorme. Pour la ville, pour le club. C'était énorme, et surtout avec cette bande de collègues, parce que je crois que c'est un groupe qui était exceptionnel. La force de ce groupe, ça a été d'être solidaire, d'être, j'allais dire, une bande de copains. État d'esprit, c'était se battre les uns pour les autres. C'était l'amitié qui a fait la force de l'équipe dans les moments difficiles de se serrer les coudes, parce qu'on n'a pas eu que des bons matchs. Hein. Il y a eu des matchs où il a fallu s'arracher. Alors après, effectivement, il y a ce match contre Créteil, cette foule qui envahit un petit peu le stade. Donc on ne se rend pas compte tout de suite de ce qui nous arrive, même si on s'y était préparé, parce qu'on a fait course en tête, j'allais dire, pratiquement toute la saison. Je crois qu'on fait 30 fois premier sur 34 journées. Je pense qu'on a la invaincue à domicile, ce qui était pas mal. On a, je pense, la meilleure défense. Au niveau de l'attaque, je ne me rappelle pas trop. Thank you.